Michel Maffezoli, vous êtes sociologue français, professeur émérité à la Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France. Alors aujourd'hui, je vous rencontre pour un peu parler de la crise, ce que moi j'ai intitulé les crises ou crise avec S, au temps du numérique. Puisqu'aujourd'hui, on fait quand même une vidéoconférence par Zoom et que le numérique sert beaucoup de gens en télétravail ou bien en tout cas pour rencontrer d'autres personnes, des amis, de la famille. Moi qui suis aussi de l'autre côté vers Montréal et que je passe beaucoup de vidéoconférences avec ma famille, mes amis aussi. Donc, ça nous aide beaucoup aussi pour garder le lien. Vous avez écrit plusieurs livres, La conquête du présent, Le temps des tribus, traduit du nomadisme. Le réenchantement du monde, après la modernité, être postmoderne, le temps des tribus, le déclin de la société, de l'individualisme dans les sociétés postmodernes en 2019, la nostalgie du sacré à venir, avec plusieurs traductions en 9 langues. Donc, vous êtes venu plusieurs fois au Québec, à Montréal, on vous connaît au Canada, un peu partout dans le monde. Alors, j'ai écouté avec attention plusieurs de vos entrevues et lu quelques-uns de vos articles et je vous connais quand même depuis longue date. Puisque j'ai côtoyé la sociologie de l'imaginaire à Montpellier. Donc, ce qui m'intéresse un peu, c'est votre regard sur, justement, j'ai pensé à vous dans ce sens où la crise, effectivement, c'est un peu ce bouleversement, ce passage d'un temps à un autre. Vous parlez, vous dites sur Radio Entrevue, déjà le 9 décembre 2019, comme quoi vous avez quelquefois des façons de faire visionnaires. Et puis vous dites, on est dans ce moment où on quitte quelque chose, on ne sait pas trop où l'on va. Alors qu'est-ce que vous en pensez avec la crise sanitaire ou la pandémie qu'on vit aujourd'hui et sur cette idée de on quitte quelque chose et on va quelque part? Alors, tout d'abord, vous savez que j'aime les étymologies, si vous me permettez. Le mot crise, hein, le terme savant que nous utilisons pour crise, c'est en général le jugement qui est crisis en grec, qui est porté par ce qui est en train de naître sur ce qui est en train de cesser. Voilà, c'est une belle définition et je pense que de ce point de vue, il faudra y revenir, il y a une vraie crise. Ce qu'on sait moins dans l'étymologie de ce mot, crisis, c'est ce qu'en français on appelle un crible, hein, un semi en quelque sorte, qui rejette ce qu'il faut rejeter et qui garde ce qui mérite d'être gardé. Voilà. Et donc, de mon point de vue, c'est un peu quelque chose qui est en jeu actuellement. Il y a une crise dans le sens où, pour moi, c'est une crise civilisationnelle, véritablement. C'est-à-dire, bien sûr qu'elle est une crise sanitaire, bien sûr qu'il y a, à bien des égards, des problèmes de morbidité. Le nombre de morts en Europe et bien sûr en Chine en témoigne. Mais au-delà, je dirais, de cela, il faut être attentif au fait que c'est un vrai changement de fond. Vous voyez, en pensant à notre entretien, je me suis rappelé que, sans parler de la grippe espagnole en 1918, qui a fait des millions de morts, dans les deux décennies qui viennent de s'écouler, il y a eu des quantités de crises. J'écoutais ce matin une épidémie de grippe en 1969, décembre 69, janvier 70, 4000 morts par semaine en France. Vous voyez, ce qui fait un nombre pas négligeable sur 8 semaines. Et personne n'en parle. Pour moi, c'est parce que celle qui est en jeu actuellement, qui peut-être n'est pas plus forte que celles qui ont eu lieu à bien d'autres années dans les 2-3 décennies qui viennent de s'écouler, elle est l'indice, hein, encore une fois, restons dans l'étymologie, indice, index, qui montre qu'il y a un changement d'époque. Voilà. Alors pour moi, mon dada, enfin théorique, ce que je dis et redis à tire l'arigot, c'est que à l'encontre de notre, je dirais, de notre linéarisme, vous voyez, le mythe progressiste, on y reviendra, hein, l'humanité est partie d'un point A de barbarie pour arriver à un point B de civilisation absolue, c'est ça notre linéarisme, que l'on a hérité, il faut bien le dire, du messianisme judéo-chrétien, hein. On atteindra la cité de Dieu, comme disait saint Augustin, ou Karl Marx, la société parfaite un peu plus tard. Alors moi, je dirais qu'à l'encontre de ce linéarisme, à l'encontre de ce progressisme, il y a des époques.
Époque en grec, ça veut dire parenthèse. Donc une époque est en train de s'achever, l'époque moderne, la parenthèse moderne, et pour moi est en train de s'ouvrir une autre époque que certains, je suis de ceux-là, appellent la postmodernité. Alors voilà ma première réaction. C'est-à-dire, oui, il y a quelque chose qui cesse. En même temps, je dis, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Il y a de l'impermanence et de la continuité de la vie. Mais il est vrai, si vous voulez, que cette crise, à l'encontre de beaucoup d'autres d'ailleurs, qui ont précédé des crises sanitaires, je veux dire, suscite cette espèce d'angoisse fondamentale un peu partout, les journalistes, les universitaires, les politiques et bien sûr le peuple, parce que d'une manière, d'une manière inconsciente, on sent bien, je préfère dire on sent bien, ce n'est pas théorisé, hein, on sent bien que c'est quelque chose, une manière d'être ensemble qui va cesser. Ce ne sera plus l'économie, ça ne sera plus simplement la consommation, ça ne sera plus simplement le matérialisme qui avait prédominé, etc. etc., etc. Et donc, il y a ce pressentiment. Voilà, pour moi, c'est un pressentiment qu'il y a une mutation de fond, et c'est ce pressentiment qui fait que, d'une certaine manière, tout le monde parle de cette crise sanitaire. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre première remarque. Vous abordez la mort qui était un peu, depuis quelques siècles, depuis quelques années, un peu une vision un peu où on a rejeté, où c'est individuel. Mais là, on est comme confronté d'un seul coup nos jeunes, etc., avec l'angoisse qui monte à une mort collective, à la mort. Justement, vous parliez aussi de cette relation à la mort dans nos sociétés. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Surtout quand c'est une mort collective, finalement, alors, le collectif. Oui. Restons sur mon idée d'époque. Hein. Changement de parenthèse qui s'ouvre, parenthèse qui se ferme, parenthèse qui s'ouvre. Pour moi, la modernité, hein, ce qui commence avec le XVIIe siècle, ce qui s'achève dans les années 50 et un peu plus tard, les années 60, les révoltes juvéniles, Berkeley 64, en Europe 68, voilà, ça c'est la fin de la modernité. Dans cette modernité, alors pour être précis sur les mots, l'esprit du temps, hein, pour le dire un peu à la manière hegelienne, le zeitgeist, hein, ce que Gilbert Durand appellerait l'imaginaire, hein, c'est-à-dire le climat dans lequel on baignait, était une conception dramatique. Alors, là encore, souvent on emploie drame et tragique. Moi, je fais une distinction entre, tout simplement parce que le drame, en grec, drao, dramein, ça veut dire ce qui trouve une solution, ce qui fait qu'il y a résolution. Et dans la question juive, Karl Marx avait une très belle phrase, d'ailleurs, qui résumait cette conception dramatique. L'humanité ne se pose jamais que les problèmes qu'elle peut résoudre. Il y avait cette espèce de grand optimisme qui a marqué la modernité et ce qui va culminer dans le transhumanisme, à bien des égards. Hein. Moi, je lisais encore il y a peu un théoricien du transhumanisme prévoyant une vie de 1000 ans, etc. C'est-à-dire, la conception dramatique du monde, c'est qu'on va dépasser les problèmes, on va tout régler, jusque j'ai compris la mort. Hein. Donc, en quelque sorte, restons encore sur ce terme philosophique hegelien, hein, dépassement, Aufhebung. Hein. Il y a un dépassement, en quelque sorte, des problèmes, des difficultés et bien sûr de la mort. Voilà, ça c'est la modernité. Moi, je considère que nous sommes dans le balancement de ces époques. On est en train de rentrer, j'ai bien dit, dans une autre époque, et donc un autre imaginaire, hein, et c'est le tragique. Alors, autant le dramatique qui nous a formés, hein, je dirais, c'est ceux qu'on a sucé avec le lait maternel. Souvenez-vous, la dialectique, thèse, antithèse, synthèse, hein, il y a toujours une solution. Alors, autant le dramatique avait cette conception optimiste, autant le tragique, dit-on, en grec, est aporein, hein, c'est-à-dire sans solution. D'ailleurs, l'image qu'on donne pour l'aporie, c'est un col très difficile à franchir dans un chemin de montagne. Et donc, le tragique, ben justement, ne repose pas sur la solution, il repose sur le fait qu'il y a de la difficulté. Il faut s'accorder au monde tel qu'il est. Hein, il faut se dépatouiller, si je le dis un peu à la manière de Lévi-Strauss, le bricolage.
existentielle, en quelque sorte. Et voilà un peu ce que nous sommes en train de vivre, ce glissement d'une conception dramatique, d'une époque dramatique, où toute chose avait une solution, et ce passage à une conception, une atmosphère, un esprit du temps beaucoup plus tragique, où il va falloir faire avec le monde tel qu'il est. Et voyez, par rapport à ce que vous indiquiez tout à l'heure, je trouve que justement les jeunes générations, nos étudiants, vos étudiants, eux sont consciemment ou inconsciemment, ils sont en accord avec cette conception tragique du monde. C'est-à-dire, il suffit de voir ce qu'est la musique, il suffit de voir ce qu'est la production culturelle, il suffit de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, j'espère qu'on y reviendra, pour voir que ces jeunes générations, bien plus que la société officielle, encore une fois, des élites, ces jeunes générations comprennent qu'il y a du tragique dans l'air et qui vont ajuster leur vie de cette manière-là. C'est-à-dire que, vous voyez, je dis pour la France, par exemple, un des éléments pour moi de ce tragique, c'est l'abstention par rapport aux élections, quelles qu'elles soient, politiques. Le politique, c'est-à-dire que oui, on va trouver une solution un peu plus tard, etc. Là, en France, l'abstention est énorme, et en particulier des jeunes générations, et qui montre bien justement que ce n'est plus cette espèce de projection vers le futur qui prédomine, mais savoir s'accorder à ce monde-ci, à cette existence telle qu'elle est, tant bien que mal. Voilà un peu, si vous voulez, pour moi, le glissement du drame où on dépense tous les problèmes, au tragique où il faut s'accorder au monde et vivre sa mort de tous les jours. C'est pour ça qu'il y a retour de l'idée de mort, si vous voulez. C'est-à-dire le fait que l'humanité et chacun d'entre nous, et l'humanité en général, eh bien, doit prendre acte qu'il y a des limites, doit prendre acte qu'on ne dépasse pas la mort, que la mort est un élément structurel de ce que nous sommes. C'était la grande idée, d'ailleurs, je le rappelle, de la philosophie de Heidegger, qui montrait que justement, zum tot, en allemand, c'est-à-dire notre vie, elle se dirige vers la mort. Et moi, dans mon premier travail universitaire, c'était en 69 à Strasbourg, c'était sur Karl Marx et Heidegger. Je montrais qu'il y avait cette conception chez Karl Marx, dans la foulée hegelienne, très dramatique, on trouvera une solution. Et puis Heidegger qui nous avait rappelé, si je puis dire, la notion de finitude, l'idée de la déréliction, c'est-à-dire qu'on est confronté à la mort. Voilà pour moi ce qui est en jeu actuellement, le retour du tragique de diverses manières. Oui, c'est un peu comme dans les modes. Les modes se répètent, on dit. Même c'est une idée, je pense, zimélienne aussi. Donc, il y a comme un cycle. Alors, on est en train de revivre un cycle. J'imagine qu'il y a des choses c'est des anamnèses du passé ou des choses qui reviennent du passé. Et donc aussi, ce retour du refoulé qui vous est cher, cette idée de retour du refoulé et de finalement la mort du progrès. Et effectivement, les jeunes seraient plus dans l'instant présent, dans le côté carpe diem, dans le côté en ville. Mais c'est vrai que moi, ce que je constate, c'est quand même que, comme vous dites, ils ne cherchent pas de solution à notre époque. Et ils vivent une époque qui est là, qui est présente, avec bien sûr une volonté de changer les choses. On voit des tendances sur Internet vegan, on voit des tendances... il y a eu ce week-end à Montréal une sorte de party, une sorte de discothèque virtuelle qui a été organisée le samedi, où ça a été lancé un peu viral, comme on aime employer le terme sur Internet, viral, virus, ça a comme des échos. Et d'autres initiatives qui marquent qu'effectivement on est en train de passer à autre chose, de changer les choses, et où je dirais que peut-être les jeunes qui sont là, qui vivent de manière quand même assez foudroyante cette histoire, parce qu'ils ne connaissent pas cette histoire de pandémie, pour eux c'est un événement historique, et ben, ils essayent de trouver quand même des sorties, une façon de sortir, ou des socialités, de développer des socialités malgré tout par Internet pour dépasser cette... Je le vois beaucoup dans les médias sociaux, dans les TikTok. Il y a beaucoup de vidéos dans les TikTok très intéressantes, si vous avez l'occasion d'en voir, etc., où les gens se mettent en scène devant leur caméra. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, beaucoup de choses, on peut en penser. Alors, hein, restons quand même d'abord sur cette, pour moi, cette saturation, hein, si j'emploie le mot du sociologue américain Sorokin, saturation du mythe du progrès. Hein, moi, c'était ma thèse d'État dans les années 70, j'avais fait déjà une critique du mythe du progrès, hein, montrant en quelque sorte comment ce progressisme était en train de laisser la place à autre chose. Et cette autre chose, voilà la différence sémantique. Le progressisme vise l'avenir, la progressivité, la philosophie progressive, c'est en quelque sorte prendre acte du fait que on ne peut vivre le présent qu'en fonction du passé, et que c'est cette conjonction entre le présent et le passé qui est gros d'avenir. Vous voyez, hein, Léon Blois disait, le prophète, c'est celui qui se souvient de l'avenir. Alors, en la matière, vous avez employé un mot tout à l'heure intéressant, un mot un peu difficile, c'est le mot anamnèse. Anamnèse, oui, bien sûr, c'est le souvenir. C'est ce souvenir qu'on ne peut pas nier le passé qui nous a construit. On a besoin de racines. Moi, le titre de ma thèse à l'époque, c'était « Enracinement dynamique ». C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est à partir des racines dynamiques qu'il y a de la force. Et alors, c'est quoi cela? Eh bien, c'est le retour, à bien des égards, et il ne faut pas avoir peur de le dire, de la tradition, de valeurs que dans notre progressisme, on avait cru dépasser. Vous voyez, c'était là, à l'opposé de la flèche du temps, hegelienne et marxiste. Et moi, l'image que je dis très simplement, c'est la spirale. La spirale, c'est ça, la philosophie progressive. Il y a retour de valeurs que l'on avait cru dépasser, pas exactement au même niveau. Pour moi, quand j'ai parlé du tribalisme ou de la tribu, hein, je reprends la vieille idée de tribu, mais plus Internet. J'y reviendrai dans un instant. Et ce retour de valeurs qui sont en particulier perceptibles chez les jeunes générations, c'est le spirituel, le culturel, les nouvelles formes de générosité, le partage, les entraides, le bénévolat, etc., etc., etc. Je ne sais pas, je suppose qu'à Montréal, vous avez la même chose, colocation, covoiturage, etc., etc. C'est le vieux mot de « cum » en latin, « avec ». Hein, et donc, toute cette idée du « co ceci, co cela », eh bien, c'est une nouvelle manière d'être ensemble, Internet aidant. Et vous avez raison de le souligner, c'est ce qui se voit dans les réseaux sociaux, dans les blogs, dans les forums de discussion. Voyez ce que je veux dire par là. Alors, c'est bien sûr, nous n'oublions pas, c'est le télétravail actuellement. C'est ce que vous avez souligné tout à l'heure. La semaine dernière, en France, il y avait des apéros Skype, par exemple, ou des apéros que l'on va partager le vin et les diverses boissons au travers de l'écran télévisuel. Et d'une certaine manière, je trouve que c'est là quelque chose de très original, je dis bien, hein, voyez, encore une fois, non plus le simple progressisme, mais l'image de la spirale. Hein, on voit revenir des valeurs et que l'on avait cru dépasser. Et pour moi, c'est cela le dépassement de la société de consommation, pour parler comme mon ami Baudrillard. Hein. C'est lui qui, d'ailleurs, le premier a lancé ce mot de viralité, hein, d'un point de vue sociologique. Je pense que c'est la fin de la société de consommation, c'est la fin du système des objets, si je continue à rester sur l'idée de Baudrillard. C'est le fait que les jeunes générations n'ont plus envie de perdre leur vie à la gagner. Ce n'est plus la valeur travail qui va prédominer. Mais c'est de diverses manières le prix des choses sans prix. Je me souviens que la dernière fois que je suis venu à l'UQAM, à Montréal, c'était un exposé que j'avais fait sur le luxe. Hein, et dans le fond, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est une conception luxueuse de l'existence. Hein. Le luxe, c'est la luxation, c'est-à-dire ce qui n'est pas simplement fonctionnel. Voilà, moi, ce qui me paraît important actuellement, dans cette crise sanitaire, c'est que, j'ai bien dit, c'était une crise civilisationnelle et que, d'une certaine manière, cela renvoyait à une conception luxueuse du monde, c'est-à-dire non pas l'étroite matérialisme, non pas l'étroite consommation, mais une conception beaucoup plus holistique, hein, dans son sens simple du terme, l'entièreté de l'être individuel et de l'être collectif.
Merci, vous avez raison de le dire, hein, pour les jeunes, les milléniaux et tout. Moi, j'ai fait une étude sur les jeunes et le numérique, la culture des jeunes numériques, mais aussi je m'intéresse un peu, ben, disons qu'ils sont indices, comme ils sont indices ils sont porteurs et indices des choses qui changent. Et c'est vrai que, ben, en RH, par exemple, en ressources humaines, on se rend compte que l'attraction ou la rétention des jeunes au travail est compliquée, ou en tout cas au Québec et à Montréal, et certainement ailleurs, et qu'effectivement, ils ne sont plus là pour gagner seulement de l'argent, mais ils ont besoin de prendre du temps pour s'amuser, pour voyager, pour découvrir le monde, et que même il y a des RH, des ressources humaines qui s'adaptent et qui donc mettent en place soit le télétravail, soit ils mettent en place par exemple ben, quelqu'un peut, moi j'ai parlé avec des gens qui ben, ils donnent des congés. Si un jeune ou quelqu'un au travail veut prendre un congé, prendre un congé 2, 3 mois et puis ils reviennent quand même au travail, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Donc, vous parlez de crise civilisationnelle et de cette génération des milléniaux, la génération Z, les digital natives qu'on dit aussi, quoique moi je critique un peu dans un rapport qui va sortir bientôt, cette idée de digital native, parce que je travaille sur la fracture numérique. Hein, donc, je trouve que la fracture numérique, bon, c'est bien d'utiliser les réseaux sociaux, le numérique et tout, mais tout le monde ne maîtrise pas, n'a pas vraiment une bonne littératie numérique. Et effectivement, ça varie d'un individu à un autre. Mais ça, c'est un autre aspect. Mais cette idée que ces jeunes qui sont porteurs de changements, etc., vous parliez de crise civilisationnelle, finalement, combien de temps ça dure? Parce que si vous avez beaucoup d'années que vous parlez de ce passage, combien ça peut durer un passage? Là encore, une petite précision sémantique. Les historiens, les philosophes, j'ai cité Gilbert Durand, anthropologue, qui avait insisté beaucoup là-dessus, dans la foulée de Bachelard. Une époque, ça dure 3 siècles, 3 siècles et demi. Ça, hein, c'est celle qui a, l'époque moderne commence avec le 17e, j'ai dit tout à l'heure, s'achève à la moitié du 20e siècle. Entre deux époques, d'un point de vue sémantique, il y a une différence de termes. Il y a des périodes. Une époque, ça dure 3 siècles, 3 siècles et demi. Une période, ça dure quelques décennies. Qu'est-ce que c'est qu'une période? Ben, c'est justement, comment dire, on sait ce que l'on est en train de quitter. On ne sait pas encore exactement ce à quoi on va accéder. Hein? Voilà. Et c'est ça la vraie crise. C'est-à-dire, il y a du fourmillement culturel, il y a du grouillement culturel, en particulier chez les jeunes générations. Et ce que vous dites, ce que vous venez de dire, moi, me paraît fascinant et votre étude me paraît fort intéressante. C'est-à-dire que c'est grâce à ce numérique qu'ils sont en train de créer une autre culture, ou à tout le moins de retrouver, comme je disais tout à l'heure, certaines valeurs. Alors, le mot-clé, moi, que j'essaie de développer depuis de longues années, c'est non plus le quantitatif de l'existence, mais le qualitatif de l'existence. Hein, quand je disais tout à l'heure, faire de sa vie une œuvre d'art. Alors, prenons, en vous écoutant, je trouvais que c'était fort intéressant. C'est vrai que même actuellement, les ressources humaines, j'interviens souvent pour les grandes entreprises, qui ne se rendent pas compte qu'ils ne peuvent plus gérer ces jeunes générations qui arrivent là maintenant dans le travail avec les mêmes caractéristiques qui étaient les leurs, les mêmes valeurs qui étaient les leurs qu'ils avaient appris dans les écoles de commerce. Par exemple, oui. C'est plus la valeur travail qui va prédominer, mais l'idée de création. Alors, en effet, un de ces jeunes peut dire, je m'en vais pendant 3 mois pour voyager, pour faire du bénévolat, pour aller faire de la solidarité en Afrique ou dans telle ou telle association, étant entendu qu'il va s'enrichir. Et les chefs d'entreprise qui ont le nez creux, si je puis dire, eh bien justement, ils comprennent que cette coupure de 3 mois, de 6 mois, d'un an, va faire qu'un peu plus tard, ils vont arriver un peu plus riches, en quelque sorte, dans l'idée même de création. Vous savez, Google, par exemple, impose à tous ses employés le fait de passer entre 15 et 20% du temps de travail, je dis bien du temps de travail, à faire autre chose que le travail. Lire de la poésie, de la littérature, se rencontrer, boire un coup, etc. Alors, étant entendu, bien évidemment, que par après, ils vont réescompter ce temps qui est réservé à la création, à la littérature, à la poésie, aux rencontres avec d'autres. Et c'est les logos. C'est tout ce qui fait que, d'une certaine manière, il y a de la créativité dans l'entreprise. Alors voilà, moi, ce qui me paraît important et qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le numérique, alors oui, il y a des fractures numériques, etc., mais globalement, moi, je suis frappé de voir, je l'ai vu
par rapport à mes étudiants. Je vais vous donner une petite anecdote. J'ai fait mon cours à l'amphithéâtre à la Sorbonne pendant 33 ans, à l'amphithéâtre d'Urkheim. J'ai fait mon cours. La dernière décennie, j'avais en face de moi une centaine de doctorants qui avaient leur micro-ordinateur ouvert et qui pouvaient me dire poliment et gentiment, au cours de mon exposé, « Monsieur, vous faites une erreur, ce texte de Hegel n'est pas de 1823, il est de 1826. Voilà. » Ce qui veut dire que, d'une certaine manière, tout en respectant mon savoir, ils pouvaient en vérifier dans le même temps, si je puis dire, la validité, etc. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut plus avoir un pouvoir vertical, mais qu'il faut être attentif à l'importance de l'autorité horizontale. Et ça, c'est, à mon avis, c'est important. Vous voyez l'image que je donne pour bien me faire comprendre sur cela. C'est ce qui s'est passé au 3e, 4e siècle de notre ère, ce qu'on appelait la décadence romaine. Dans cette décadence romaine, eh bien, il y avait trois religions que l'on appelait à mystère, c'est-à-dire Mithra, Orphée, le christianisme. Et c'était Mithra et Orphée qui étaient les religions des officiers, des gens importants. Et le christianisme, c'était le peuple qui ne devait pas durer. En fait, ce n'était pas une religion qui était appelée à durer. Ernest Renan rappelle qu'à ce moment-là, le christianisme, le terme qu'il propose est intéressant, a sécrété un dogme qui est le dogme de la communion des saints. C'est-à-dire que la petite église de Milan était unie en esprit avec celle de Luc d'Unum, de Lutèce, de Rome, de Narbonne, etc. Et que c'est ce qui a fait que ce dogme de la communion des saints, une union en pointillés, a amené le triomphe de l'Église chrétienne du catholicisme. Alors moi, mon hypothèse actuellement, c'est que Internet, c'est la communion des saints postmoderne. C'est-à-dire que les petits groupes qui se trouvent dispatchés un peu partout de par le monde peuvent rentrer en contact et se créer des nouvelles formes d'hospitalité, de rencontres, etc. Vous voyez, voilà, c'est, en ce sens, il y a un grouillement culturel. Quand j'ai commencé à travailler sur le tribalisme, un de mes chercheurs de mon centre faisait une étude sur la musique techno qui était faite par tel groupe, telle petite tribu d'Albi, dans le sud de la France. Et que cette tribu d'Albi, qui faisait tel type de musique techno, était rentrée en contact avec une autre tribu qui faisait le même type de musique techno à Bratislava. Voyez, et donc, du coup, rencontre, hospitalité, se voir, etc. Et c'est ça qui m'avait donné un peu l'idée de l'importance du tribalisme grâce à Internet. Donc, oui, moi, je crois que vous avez raison. Il y a là, pour ces jeunes générations, une autre culture qui est en jeu et une culture qui, à mon avis, est prospective. Et je fais quand même un écho avec quand même tout ce qui s'est passé juste avant cette pandémie, la question du climat, la question du militantisme et de cette figure assez marquante, Greta Thunberg. Est-ce que vous pouvez faire comme ça un petit parallèle entre, parce que les jeunes sont beaucoup reconnus en cette personne qui est quand même atypique, qui avait ce discours émouvant qu'elle portait, et d'ailleurs elle est même venue à Montréal, ça a attiré beaucoup 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 de monde, je ne sais pas combien de monde, mais en tout cas sur Instagram, sur les réseaux sociaux, les jeunes se reconnaissent et partagent beaucoup de choses de Greta Thunberg, la militante écologiste suédoise. Alors, deux points. Je vous répondrai de deux manières. Moi, j'ai assisté aussi à Paris au grand rassemblement où elle était, et d'un point de vue d'observateur, extérieur. Mais ça m'avait beaucoup intéressé pour la raison suivante. Chaque époque, je reste encore sur mon dada théorique, il y a des époques qui changent. Chaque époque, si je reprends une image de Durkheim, a une figure emblématique. Alors, une figure emblématique, c'est un totem autour duquel on s'agrège et qui constitue en quelque sorte le ciment social, l'éthique sociale, l'éthos, dans le sens simple du terme. Et la figure emblématique de la modernité, le 19e siècle, c'est l'adulte, sérieux, rationnel, producteur et reproducteur. C'est la figure emblématique et les jeunes qui arrivent, ben, ils doivent suivre l'image de cette figure emblématique. Et moi, je prends toujours l'exemple de ce qui se passe dans beaucoup de musées en France. Il y a toute une série de peintures à Montpellier. Moi, ça m'avait frappé à l'époque de voir comment, en quelque sorte, la figure du bon bourgeois en costume comme ça, cravate, gilet. Et c'était le modèle
de ce qu'il fallait copier. Le jeune qui arrivait sur le marché du travail, il devait mettre le même costume, etc., copier la figure emblématique. Pour moi, la figure emblématique postmoderne, c'est l'enfant éternel. En latin, le puer eternus. Et de diverses manières, on voit bien comment c'est cet enfant éternel qui prédomine en quelques domaines. En France, d'une manière péjorative, les journalistes parlent de jeunisme. Mais parce que tout simplement, on veut rester jeune, s'habiller jeune, c'est plus le costume trois pièces et le blue jean, on veut parler jeune, etc. Et de ce point de vue, votre Greta, c'est la figure emblématique, hein, c'est-à-dire une jeune fille de 16 ans, je crois, je ne sais plus exactement quel âge elle a, eh bien, qui arrive à susciter un peu partout de par le monde toute une série de manifestations, d'effervescence, là encore, pour le dire comme Durkheim, est importante. Alors voilà, pour moi, elle est représentative de cette figure postmoderne de l'enfant éternel. Alors, on le voit dans ce domaine, mais on peut le voir dans des quantités d'autres domaines. La figure de l'enfant éternel va être la figure emblématique postmoderne. Et le deuxième aspect de votre remarque, c'est que la grande idée moderne, j'ai dit tout à l'heure le progressisme, c'est cette idée que l'on retirait de Descartes, l'homme comme maître et possesseur de la nature, hein, domination du monde, aboutissant à bien des égards actuellement à la dévastation du monde, et les saccages écologiques sont là pour le montrer. Et donc, à l'opposé de cette domination du monde, on sent qu'il y a un autre rapport à la nature actuellement. Donc, les grandes manifestations le montrent à loisir. Alors, moi, j'ai écrit un de mes livres qui s'appelle « Écosophie ». Je me suis un peu distingué de l'écologie strictement politique en reprenant le mot « écosophie » qui, en son sens étymologique, veut dire « sagesse de la maison commune ». Et donc, oui, moi, je pense qu'il y a actuellement une sensibilité écosophique. Moi, je suis actuellement dans un petit village du sud de la France, dans les Cévennes, et vraiment je sens, moi, de mes voisins, des paysans qui sont là, leur jardin, etc., un autre rapport à la terre, un autre rapport, si vous voulez, au fait que il y a une espèce de connivence un peu magique, si je puis dire, avec cette nature qui devient une terre-mère, hein, quelque chose avec lequel je dois compter. C'est Chateaubriand qui nous a donné un mot que l'on a pu utiliser, mais moi qui me paraît important, il dit la matrie. Hein, pas simplement la patrie, mais il y a la matrie, c'est-à-dire ce qui est cette terre-mère, en quelque sorte, dans laquelle on vit. Alors voilà ma réponse, voyez. D'une part, le puer eternus, l'enfant éternel, comme figure emblématique. Et deuxièmement, une sensibilité écosophique qui va de plus en plus prédominer, même s'il y a des blocages institutionnels. Et là encore, cette crise sanitaire, moi, me paraît intéressante parce que elle montre bien qu'on ne pourra pas faire la même chose, on ne pourra pas penser la mondialisation, on ne pourra pas penser simplement, encore une fois, avec la prédominance de l'économie sous ses diverses modulations, d'une terre qu'il faut dominer, mais au contraire, une terre avec laquelle il faut compter si on ne veut pas l'épuiser en sa totalité, bien évidemment. Et ça, les jeunes générations, je crois, ils l'ont fort bien compris. Tout à fait. Vous m'avez dévancé pour l'écosophie. J'allais vous poser la question sur l'écosophie, mais vous l'avez fait. Et puis, effectivement, mais l'histoire de l'écologie, en fait, finalement, peut-être que les jeunes, leur combat, c'est plus l'écologie que le politique. Ils se reconnaissent plus dans des valeurs comme vegan, ne plus manger de viande, ne plus manger il y a une tendance, en tout cas, au végétarisme, au véganisme, etc., qui est très forte. Cette sensibilité, justement, à la nature qui revient. D'ailleurs, on a entendu que Paris, qu'il y a beaucoup de gens qui quittaient Paris, hein, la ville aussi. La question de la ville, finalement, dans cette crise pandémique, où les gens fuient la ville pour aller, justement, se réfugier ailleurs, ailleurs à la campagne. Et c'est vrai qu'il y a cette angoisse de la ville qui ressort et en parallèle, moi, je ferai un peu écho aussi à la mondialisation, où on se dit que finalement, on ne maîtrise plus rien du tout, on ne maîtrise pas beaucoup de choses. Quand on voit le manque de masques, ne serait-ce que par rapport à la consommation ou en tout cas à l'économie, comment on est quand même assez esclave de cette mondialisation. Mais
Parallèlement, bien effectivement, vous parliez d'écosophie. Moi, je parle de glocalisation versus écosophie. Glocalisation, c'est le global et le local. C'est la rencontre du global et du local. Donc, c'est comme penser global et agir local. C'est ça l'idée de la glocalisation. Voilà quelques idées que je vous laisse discuter. Oui, mais moi je suis d'accord avec vous. Le terme que vous venez d'employer caractérise ce qui est en jeu actuellement, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus cette espèce de mondialisation dominante et galopante, mais un retour justement au local. Moi j'ai parlé d'un localisme. L'école de Palo Alto nous avait déjà, il y a longtemps, parlé de la proxémie. C'est-à-dire qu'il n'y a d'environnement social qu'en fonction de l'environnement naturel, et que c'est cette espèce de dialogie entre le social et le naturel qui est en jeu actuellement dans cette histoire de localisme. Alors c'est intéressant, ce sont des indices que vous avez indiqués, vegan, végétarien. Moi je vois, dans ma famille, j'ai même une fille vegan, et puis je vois beaucoup d'amis, des jeunes étudiants qui sont tranquillement, d'ailleurs, pas d'une manière agressive, végétariens. À Paris, il y a des quantités de restos maintenant, ou vegan ou végétarien, et cela se fait, je dirais, normalement, dans la bonne humeur, encore une fois, sans exclusive, l'un par rapport aux autres. Moi, je discute beaucoup avec, je vois tel ou tel ancien de mes étudiants qui est vegan et avec lequel j'ai des discussions passionnantes, justement, ils ont tiré beaucoup de leçons de mon écosophie, si je puis dire, non pas dominer, mais s'accorder. S'ajuster avec la nature. Je retiens cette idée de terre-mère. Un de mes petits opuscules s'appelle matrimonium. Matrimonium, vous voyez, c'est-à-dire en quelque sorte ce à quoi il faut arriver à s'accorder. Alors, pour revenir à votre idée de la ville, quand j'avais commencé à parler du temps des tribus, qui était un peu une provocation à l'époque, c'était avec une idée très simple. C'était dans les jungles stricto sensu. Les ethnologues nous apprennent que la tribu consiste en quelque sorte, si je le dis avec familièrement en français, à serrer les coudes, à lutter contre l'adversité, à se protéger, etc., à se tenir ensemble, si je puis dire. Et reprenant cette idée, moi, la tribu, ce n'est pas un concept, celle que je l'utilise, c'est une métaphore. Ma métaphore était la suivante. Dans les jungles de pierre que sont les mégapoles contemporaines, ces espèces de grandes villes comme ça, eh bien, dans le fond, la tribu, c'est pour serrer les coudes en fonction d'un goût. Je dis la tribu, c'est le partage d'un goût sexuel, musical, religieux, sportif, etc. Et que donc, dans le fond, Internet aidant encore, eh bien, je vais arriver à trouver avec qui je vais partager ce même goût. Et alors, c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Moi, je considère qu'il n'y a pas forcément une fuite de la ville, mais par contre la réorganisation de la ville en quartier. Je vois à Paris les repas de voisinage et les repas de rue, quelque chose qui en quelque sorte tente à recréer encore une fois ce terme de la proxémie dont j'ai parlé tout à l'heure. Et pour moi, c'est un peu cette idée de proxémie, du localisme, peu importe, c'est-à-dire comment au sein même de la ville, sans la quitter, ben je vais créer de la proxémie. Je vais être en contact avec l'autre en fonction du goût que je partage, et ce, encore une fois, grâce à la culture numérique. Et on revient bien évidemment sur cette culture numérique. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais quand je me sens menacée, je quitte la ville pour aller vers la terre-mère. Donc, c'est plus l'idée de oui. Je vais me réfugier dans la nature parce que je me sens menacée par la pandémie. Oui, oui, ça, de toute façon, il est évident qu'il va y avoir, d'une manière au-delà même de la pandémie, moi je suis de ceux des 17% de Parisiens qui ont quitté Paris pour se retrouver à la campagne, etc. Bon, mais je dirais qu'au-delà de cette pandémie, je dis bien, cette pandémie, c'est une crise sanitaire qui nous renvoie à une crise civilisationnelle.
quelque chose qui fait qu'après, on ne pourra pas faire la même chose que ce qu'on faisait avant. Voilà. Et donc, dans cette perspective, ben, il va y avoir ce va-et-vient entre le local et les villes, hein, le localisme et puis les endroits où ça circule, où ça discute, où on rencontre des gens, etc. Et c'est intéressant de voir, je vous donne un exemple paroxytique. En France, la multiplication pour les jeunes générations de retraites dans les monastères, par exemple. Hein, il y a un développement des monastères qui sont intéressants parce que justement, des quantités de jeunes vont aller se retrouver dans ces monastères pour vivre un peu à l'écart, un peu de solitude ou de la prière, enfin toute une série de choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir dans les grandes mégapoles et qu'ils vont trouver. Alors voilà, par rapport à ce que vous indiquiez tout à l'heure, moi je crois qu'il va y avoir un va-et-vient structurel, hein, non pas simplement être, si je le dis comme Michel Foucault, assigné à résidence dans telle adresse urbaine, mais au contraire avoir à sa disposition, encore une fois, Internet aidant, des lieux où je suis bien avec d'autres, fût-ce dans la solitude d'un monastère. On le voit bien avec les tendances digitales nomades, justement. La tendance digitale nomade, c'est les nomades de numérique, c'est des gens qui travaillent et qui voyagent en même temps en travaillant, mais qui travaillent, qui développent vraiment, c'est une façon de vivre, c'est une manière de vivre, c'est d'aller dans d'autres endroits et de pouvoir travailler de n'importe où, c'est ça. Grâce au numérique, oui, grâce à Internet. Des deux gros mots qui traduisent cela, c'est le changement d'épistémé, si je le dis comme Michel Foucault, ou le changement de paradigme, si je le dis comme Thomas Kuhn. Et ce changement de paradigme, eh bien, il est justement dans le fait que, soyons clairs, Max Weber l'a bien montré, la technique avait contribué au désenchantement du monde, hein, à l'isolement en quelque sorte, au développement de l'individualisme. Et curieusement, la technique, et moi c'est le titre d'un de mes livres, participe au réenchantement du monde. Hein, c'est-à-dire en quelque sorte, par les contacts que j'établis, l'accent qui est mis sur le qualitatif, etc. Eh bien, ce qui est important, encore une fois, c'est autre chose que, que le simple isolement et autre chose que l'individualisme. Moi, c'est ce que j'appelle l'idéal communautaire en gestation. Et cet idéal communautaire, elle trouve l'aide du développement technologique. Alors, c'est ça le paradoxe, parce qu'il y a vraiment un paradoxe. Hein, mais c'est la discussion que nous avions avec Hervé Fischer dans la postmodernité et le numérique. C'est que, d'une certaine manière, les réseaux sociaux sont en train de favoriser une autre manière de vivre ensemble, une manière d'être ensemble. Hein, et je crois que c'est cet être ensemble qui est totalement en train de changer et en même temps qui est plein de nouvelles valeurs. Moi, je trouve qu'il y a vraiment des nouvelles valeurs en gestation qui traduisent ce vitalisme juvénile et qui, de mon point de vue, enfin, en tout cas pour moi, me donne un grand espoir pour la société qui est en train de naître actuellement. Ben merci. Et pour finir, donc, je vais quelques mots que je retiens qu'on partage finalement mondialement. La mise en place de la distanciation sociale, je trouvais ça assez. Je connaissais pas ce terme, mais en tout cas, je le découvre. Il y a beaucoup de blagues qui circulent sur les réseaux sociaux encore sur cette idée de comment réaliser la distanciation sociale, par exemple quand on va faire nos courses, etc. Versus le confinement aussi. Et puis finalement, cette distanciation sociale qui est largement compensé par, en tout cas qui est compensé, peut-être pas largement, mais par justement le développement du vivre ensemble numérique ou de la convivialité numérique, les 5 à 7, vous dites les apéros, nous on dit les 5 à 7 numériques, les rencontres, les échanges, etc., qui compensent quelque part parce que quand on est confiné ou mis en quarantaine, pire quand on n'a pas le droit de sortir, etc. Et donc, c'est un peu pour finir cette histoire de valeurs, valeurs amicales, valeurs familiales. Et je sais qu'il y a un livre qui paraîtra, La nostalgie du sacré. Est-ce que vous pouvez terminer avec cette histoire de valeurs? Oui, vous avez raison de dire que, bien sûr, il y a actuellement le confinement, il y a actuellement quelque chose qui fait qu'il y a une sorte d'enfermement à bien des égards. Mais je dirais que, Internet aidant, on sait que cet enfermement permet de rentrer en contact, mais vraiment d'une manière
multiforme et très intense avec les autres. Et on peut penser qu'à bien des égards, ben c'est ce qui va être la société de demain. C'est-à-dire que ce confinement actuellement nous permet de quitter les valeurs modernes et pour nous faire accéder à d'autres valeurs que l'on partagera, je dirais là, réellement avec d'autres quand cette crise sera finie. Et c'est en effet ce que je vais développer dans mon livre qui devait paraître le 2 avril, bien sûr, mais qui, à cause des librairies qui sont fermées en France, sera repoussé dans le courant du mois d'avril, je suppose, la nostalgie du sacré, c'est-à-dire comment, ce développement technologique étant, on voit un peu le retour, je vous ai dit tout à l'heure d'une manière spiralesque, hein, de ces valeurs que l'on avait cru oublier, hein, le fameux désenchantement du monde, le dépassement du spirituel, le dépassement du culturel, etc. Et moi, je pense que d'une manière multiforme, il y a retour, encore une fois, de ce sacré. J'aurais bien aimé employer un mot d'un philosophe catholique, Jacques Maritain, le sacral, pour montrer comment c'est un sacré qui se diffracte de diverses manières, qui n'est plus simplement l'enfermement, en quelque sorte, dans une religion figée, mais qui, au contraire, est de l'ordre de la religiosité. Un peu de candomblé, un peu de méditation, un peu de tantrisme, bien sûr, je le disais tout à l'heure, la fréquentation des monastères, etc. Et il faudrait voir, hein, moi je suis allé quand j'étais jeune dans un monastère près de, pas loin de Montréal, mais je suis sûr que ces monastères, comme en France, retrouvent une force et une vigueur indéniables. Voilà moi ce qui me paraît être en jeu. Alors le travail de penseur qui est le mien, j'ose pas dire de sociologue puisque je suis émérite à la Sorbonne, mais je dirais un peu à la manière de Walter Benjamin qui disait « Chaque époque rêve la suivante, il faut accompagner ce rêve pour que ça ne devienne pas un cauchemar ». Eh bien, je crois que c'est ça notre travail d'intellectuel, accompagner ce rêve d'une nouvelle société en gestation de manière à ce que cela ne devienne pas le pire et que cela ne devienne pas un cauchemar. Merci beaucoup pour ces belles phrases de la fin. Ça nous laisse espérer une belle sortie de cette crise pandémique. En tout cas, on ose espérer. Donc, écoutez.